Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tech and Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un nouvel épisode des meilleurs réglages pro pour telle voiture. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire la Maserati MC12 version corset. C'est la Maserati donc MC12 qui a en touring car, hein, ne pas confondre avec celle qui est en hypercar. Donc elle est connue pour être très réputée pour être la meilleure hypercar à ce jour, hein. Enfin touring car je veux dire, je me trompe aussi. Voilà, il n'y a pas mieux, vraiment. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un réglage pro qui va la rendre encore un peu mieux. Donc je vais vous montrer ce réglage de suite. Puis ensuite on se fera petit test pointe circuit comme d'hab. Alors hop. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de modifié sur ce réglage, mais ça suffit à la rendre un peu plus pétillante, ça veut rien dire, mais bon. Alors encore une fois, voilà, c'est les meilleurs réglages pro, entre guillemets, bien sûr, il peut y avoir éventuellement d'autres réglages mieux, éventuellement, hein, je suis pas non plus le roi du monde en termes de réglages, etc. Mais il peut être le meilleur aussi. Donc voilà, bah n'hésitez pas à dire si vous trouvez que vous votre réglage est meilleur. Voilà, si vous trouvez qu'il a des défauts ce réglage quand vous l'aurez testé. Voilà, donc bah, vous mettrez pause si vous n'avez pas eu le temps de voir. Du coup, bah, on va se faire Touring Car Circuit Jersey Horizon, hein. Toujours l'accent qui va bien comme il faut. Qui est pour moi, je pense, le meilleur circuit en Touring Car. Enfin, c'est mon préféré. Je l'aime bien. Je suis bien classé au classement mondial. Donc voilà. Enfin bref, pour l'instant, du coup, là on est jeudi à l'heure où je tourne. Non, on est vendredi à l'heure où je tourne cette vidéo. Elle devrait sortir peut-être samedi, je pense. Sachez que bah, les voitures que vous me demandez, je vais les faire. Voilà, c'est pour tous ceux qui me demandent les véhicules. Mais là, vu qu'on est sur le Summit de la Huracan, donc le Summit italien, j'ai déjà fait un peu les voitures dont on aurait besoin sur le Summit. Donc j'ai déjà fait la Veneno, là je fais la MC12. Je vais faire la F12 et la F40. Des voitures et je vais faire la Huracan aussi, donc un gros programme qui arrive. Voilà, je vais essayer de sortir ça le plus possible dans la durée du summit. Bon, après la Huracan, c'est pas trop grave si elle sort après le summit parce que bon, on n'en a pas tant besoin que ça pour le summit, honnêtement, à part dans la course Everglade, mais on peut prendre l'Audi RS5, ça passe crème. Mais sinon, voilà, F12, F40 en Ferrari pour la course. Qui dure 4 minutes et quelques. Bah ça c'est pour la course touring car. Donc bon voilà, je vais essayer de vous sortir les réglages pro pour les voitures dont on a besoin le plus pour ce summit. Et pour ceux qui me demandent par exemple la Bugatti Chiron, vous inquiétez pas, la vidéo est déjà tournée, mais je vais juste la sortir après le summit. Donc elle arrivera la semaine pro. Vous inquiétez pas, je vais faire pas mal de voitures. En plus, vu qu'il est déjà tourné au final, tu sais, je donnais un numéro aux épisodes, genre 5, 6, machin truc, mais bon. Je crois que vu que je les ai pas trop sortis dans l'ordre, en fait, faut plus que je donne de numéro d'épisode. Enfin bref, on verra bien. Hop, on va essayer de faire un chrono potable, hein, quand même. Hop. Donc on a une meilleure accélération avec ce réglage. On peut prendre les virages un peu plus vite, et elle dérape un petit peu plus. Plus que bah, avant, parce que de base elle dérape pas du tout, mais c'est une bonne chose, c'est fait exprès, c'est pour qu'elle puisse prendre les petits virages un peu plus rapidement, qu'on ressorte un peu plus vite. Oh là là, je l'ai mal pris le virage là. Hop. Bon, j'ai pas encore le double nitro en touring car, donc bon. Je pourrais faire un mur chrono éventuellement si j'avais le double nitro. Hop. Vous voyez là, c'est mieux. Pour tourner, que ça dérape un petit peu, ça dérape suffisamment, pas trop, c'est vraiment un tout petit peu que ça dérape, donc c'est parfait. Et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, le réglage, il n'y a quasiment rien qui est touché. Bon, après, honnêtement, c'est pas une voiture qui a tant besoin de réglage que ça, la MC12 version corsée, vu que c'est déjà une très bonne voiture de base. Voilà, on peut juste un petit peu l'améliorer comme ça. Et on fait 2,29, donc c'est plutôt un bon chrono. Je crois que j'ai fait mon record, peut-être. Je ne sais pas, mais je sais que c'est un bon chrono de mémoire. On va aller voir le classement. Hop. Qu'est-ce qu'il nous donne? D'accord, de la merde.
En extrême, gros, respecte un peu. Bon, déjà, je suis pas le meilleur de mes amis. Et oui. Mais on est 240e au mondial, donc ça va. On a fait un plutôt bon chrono. On a fait 10 secondes de moins que le premier. Je sais pas trop comment il a fait 10 secondes de mieux. Mais bon. Bon, après, il y a le double nitro qui joue. Voilà, j'aurais peut-être fait 4 secondes de moins avec le double nitro, un truc du genre. Du coup, on va aller se faire la pointe au lac salé. Je vous montrerai après le réglage, encore une fois. Puis on aura déjà fini. Ça va vite les vidéos là, hein. Y a pas grand chose. Ça va très très vite. Ça tourne autour des 10 minutes en général. Hop, on va se. Tu peux le faire, voilà, ici. Puis on va se TP là. Voilà. Allez, dépêche-toi. Donc sinon, j'ai un petit réglage pour la Audi RS5 aussi qu'il faudra que je vous fasse en vidéo pour bientôt, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc F40, F12, Huracan. Tac-tac-tac. J'ai FXXK aussi. Donc bon, il y a pas mal de réglages qui vont arriver. Puis vu que c'est des vidéos qui vous plaisent, bah autant en sortir, hein. Ça aide les gens déjà, donc c'est pas trop mal. Et je vais essayer de régler la Huracan Performante quand elle sera sortie, si j'arrive à la voir, mais je pense que je l'aurai sans trop de problèmes. Bref, 3, 2, 1, go! L'intérieur sympathique, hein, lol. Hop, on arrive assez vite aux 150, même 200 très rapidement. Hein, vous voyez, c'est quasiment instant limite. Hop, 320 très rapidement, sans souci. Les 350 très rapides, hein. Vraiment une petite bombe pour l'accélération, vous voyez. 380, vraiment une accélération de dingue. 390. Bon, après, vu que j'ai touché la boîte de vitesse, donc elle accélère vraiment beaucoup mieux. Après, niveau vitesse de pointe avec la spi, on a vraiment réduit le truc. Alors que j'ai touché que d'un cran. Voilà, hop, là on est à 402, donc c'est à peu près 1 km/h en dessous de la vitesse affichée. Voilà, 403. Et on pointe à 410, voilà, on a pu voir, bon, peut-être avec la bosse et le freinage. Le freinage qui est magnifique quand même, hein. Le freinage vraiment il est très bon. Accélération très bonne, voilà, on perd juste un peu de pointe avec la spi, mais honnêtement, en général, c'est les voitures qu'on utilise sur circuit, les touring cars, hein, logique. Et il n'y a pas beaucoup de lignes droites en touring car qui vous permettent de dépasser les 400 km/h, donc c'est pas trop grave. Vraiment, on obtient une voiture plutôt sympathique là. Qui a un petit style déjà, hein. Mais bon, vraiment rapide et freinage très très bon. Hop, donc je vais vous remontrer le réglage une petite dernière fois et on se quittera là. Hop. Alors attendez, je vais juste. Ouais. Hop. Hop. On gère tout ça. Et je vous montre le réglage. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a ça, les barres anti-roulis. Il y a juste celle avant qui est touchée. Voilà, un petit peu la suspension géométrique, machin truc. Je vais pas tout dire parce que c'est long, hein. Carrossage, on va dire, c'est plus simple. Là, des stands, c'est pas touché, donc vous voyez, il y a juste en gros les trois petites choses là qui ont été touchées et la boîte de vitesse. Et à chaque fois, je crois que c'est d'un cran et là deux crans. Voilà, la barre anti-roulée avant c'est deux crans vers le moins, un cran vers le moins, un cran vers le moins et un cran pour la boîte de vitesse vers le moins aussi. Bon, après, des fois ça peut varier selon les gens parce que des fois j'ai l'impression que c'est pas les mêmes réglages d'origine pour certaines personnes. Voilà, et puis je touche pas l'anti-patinage, l'ABS, le SP et l'aide au drift. Voilà, ça je le fais pas parce que je trouve que ça foire limite un peu la conduite. Il y a beaucoup de gens qui touchent le SP, mais j'ai l'impression qu'au final les voitures tiennent beaucoup moins la route. Bon, après, c'est une impression pour ma part. En tout cas, vous pouvez voir les stats. Donc, vitesse max 403 km/h. Donc, pour une touring car, c'est vraiment pas dégueu. Voilà, après, on n'a plus trop d'aspiration, mais bon, de toute façon, touring car, on tourne autour des 400 km/h pour chaque touring car. En chevaux, on a quand même 986 chevaux, c'est pas mal. Le 0 à 100, 2 secondes 37, c'est plutôt excellent. Vraiment, c'est un très bon 0 à 100. 400 mètres départ arrêté, 8,73. Donc, je pense qu'on est sur une des meilleures voitures du jeu avec ce 400 mètres départ arrêté. J'ai latéraux 1,02, c'est très très bon aussi. Alors, freinage, il est bon, mais pourtant, sur les stats, on est à 20,69 m pour le 100 à 0. Honnêtement, il y a plein de voitures qui font mieux. Après, on sent que le freinage à haute vitesse est bon. Après, si tu freines le 100 à 0, effectivement, c'est un peu moins bon, mais au-dessus, vraiment, la voiture freine hyper bien. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai des petites pièces? On va regarder quand même au cas où si j'ai le double nitro. Alors, et là, il m'en manque une. Ouais. Donc, là, je l'ai.
Là, je ne l'ai pas, donc ça fait deux pièces qui me manquent pour avoir le double nitro. Ouais. Deux pièces, on a dit, toujours deux. Je crois qu'il m'en manque que deux. Eh oui, pour l'instant, il m'en manque que deux. Alors peut-être que je l'ai autre part. C'est quelle pièce qui manque? C'est le frein. Et je crois que c'est ça aussi. Non, je sais plus. C'est peut-être ça alors. Ouais, c'est ça. Et le frein. Ok. Donc il manque frein. Ouais. Bon, là on n'a pas. Là on n'a pas. Là on n'a pas. Non. Est-ce qu'on l'a là par hasard? Non plus. Non plus. Peut-être qu'il traîne quelque part le double nitro, on sait pas, non. Non plus. Puis là, ça n'en est plus. Donc, non, je crois qu'on n'en a pas. Non, ça, non. Non plus. Non plus. Ok. Bon, on n'a pas le double nitro, j'aurais vérifié avec vous. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le réglage vous plaît. Me dire si vous avez mieux en comportement. Voilà, hein. N'hésitez pas. On est ouvert à tout. N'hésitez pas aussi à me proposer des réglages pour d'autres voitures. Voilà, je les ferai, vous inquiétez pas. Et m'envoyer pourquoi pas des liens ou alors sur mon PSN. Donc que je vais vous montrer, Pedro-du-bas SNL. Pour avoir des réglages, voilà, pour les comparer avec ceux que je fais, etc. Et peut-être si vous pensez avoir le meilleur réglage, donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour plein de petites choses sympathiques. Et ciao ciao, allez bye!